Je les ai pas défaits hier. Je me suis dit que défaire les emballages et les refaire me prendrait plus de temps. Donc je ne les ai pas défaits, mais là, par exemple, il y a deux villes qui se sont barrées. La chirurgie. Libérons les œuvres. Là, on dirait qu'il n'y a pas trop de... Et voilà. La gêne un peu là-bas. Et puis, vous pouvez, si vous voulez venir, là, on est en train de... Celui-là, je croyais qu'il avait un... Il avait une accroche derrière, mais je sais pas où il est. Bon. C'est la première fois que je fais ce truc d'accrocher avec d'autres gens. Mais ça m'intéresse bien parce que ça va faire un vrai dialogue où on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on met les trucs les uns à côté des autres, comment est-ce qu'on organise l'espace. Et vous allez aussi être d'une certaine manière les premières spectatrices. Donc moi, il y a des choses que je fais parce que ça me semble évident, mais en même temps, je ne suis pas forcément la mieux placée pour comprendre comment est-ce que le travail est reçu, et c'était pour ça que ça m'intéressait d'accrocher à plusieurs, en fait, plutôt que de faire mon petit truc dans mon coin. C'est un travail sur les communes, parce que sur les 36 000 communes de France, il y en a 1200 qui veulent dire quelque chose. Par exemple, Marseille, ça dit rien, mais par contre, Rennes, ça dit quelque chose, Paris, ça dit quelque chose, Menton, ça dit quelque chose. Et donc, j'ai trié comme ça les 36 000 communes. J'ai lu deux fois les 36 000 communes de France et j'en ai sorti le vocabulaire des noms communs. Et après, ça permet d'écrire des textes qui sont aussi des itinéraires. Donc ça, c'est ça. C'est-à-dire que là, les textes sont là. Je les ai situés après sur la carte de France. Et puis j'ai indiqué dans l'ordre du texte, j'ai indiqué à la fois les départements et le nombre d'habitants. Voilà, donc ça c'est OK. Et ensuite. Oh là, pardon. Je sais pas. Est-ce que je peux te passer les deux trombones pour les coudes? Ouais. Tiens, logiquement, peut-être qu'on peut. Super, mettre celui-là, je vais l'accrocher. Règle la hauteur. Non. Bon, là pour l'instant j'arrête l'écartement. Voilà.
C'est un travail que j'appelle supplément littéraire parce que je le fais avec les suppléments littéraires du Monde et de Libé. Et en fait, je cherche des phrases qui sont à cheval entre deux colonnes. Donc sur chacune des pages, il y a une phrase que je fais apparaître en caviardant le reste. En caviardant, ça veut dire ? Eh bien, en fait, en biffant comme ça. D'accord. Caviarder, c'était... je crois que c'était parce que c'était une technique de la censure russe, de noircir pour qu'on puisse pas d'accord. lire. Oui, d'accord, c'est le fait de faire un trait. Ouais, d'obscurcir un texte pour qu'on puisse pas le lire. Ça, j'avais pas vu. C'est une autre façon de présenter. Oui. C'est bien. Ça, j'avais pas vu. Ouais, c'est bien ouais. ça. Ça, ouais. ça a été pas vu aussi. Que qu'à l'Anversar. C'est ah, ouais. directement. Ah, oui, ah, bah, d'accord. Oh, c'est magnifique, c'est super. Ouais. Ouais. Là, il est en avec quatre. Jubilation, tu sais, quand tu trouves l'énigme. Ouais, le cinquième est là. Ah, oui. C'est ma mère. Et elle m'a donné. Et donc maintenant, c'est moi qui l'ai. Et je l'aime beaucoup. Le problème, c'est que le remontoir est cassé. Voilà. Donc il faudrait que je le fasse réparer. Et aussi que je. Peut-être que je change le bracelet. Parce que il est tout. Et tout cassé. Mais sinon, c'est ma montre. Je suis tombée de nuit. C'est pas ça ce que je veux dire. Assise. Et puis là, des bonnes soeurs qui mangent des glaces.